Darius, la rumeur parle d'une puissante armée Seiya sur le point de se rassembler à l'est du désert des profondeurs. L'armée se forme lentement mais sûrement. Il faut agir au plus vite si nous voulons prendre le contrôle du pont reliant les deux continents. L'armée se forme assez loin vers l'est, sur les plages d'une mer intérieure. Vous devez vous y rendre au plus vite, mais rassemblez d'abord le plus d'hommes et de ressources possible. Vous devez aussi choisir un plan de route. Le sud du pont, le nord du pont, ou simplement au milieu. Chaque trajet présente des avantages et des inconvénients. On sait aussi que les Gaori vivent dans les montagnes au nord. Les Droga et les Maréten, eux, vivent au sud. La route centrale reste le chemin le plus court. Par l'illumination du Créateur! Par l'illumination du Créateur! Voilà une tâche facile. Par l'illumination du Créateur! Voilà une tâche facile. Par l'illumination du Créateur! Toujours prêt! Voilà une tâche facile. Toujours prêt. En voilà une tâche facile. En voilà une tâche facile. À la gloire du Créateur. Toujours prêt. Par la gloire des Kohan. Seigneur Kohan, votre présence parmi nous est une heureuse nouvelle. Vous auriez pu passer à côté de notre village sans nous voir. Nous sommes vraiment impatients de débarrasser ces terres de la présence démoniaque des Seiya. Vous avez le soutien du village, Monseigneur. Par l'illumination du Créateur. C'est un grand pas vers la victoire. Toujours prêt. À la gloire du Créateur. Au nom du Créateur. Voilà une tâche facile. Que puis-je faire pour vous? Voilà une tâche facile. Toujours prêt. En voilà une tâche facile. Au nom du Créateur. Voilà une tâche facile. Que puis-je faire pour vous? Voilà une tâche facile. Les guerriers de Ragoknar attendaient votre arrivée avec impatience. Notre plus grand désir serait de combattre à vos côtés contre l'armée Seiya située à l'est. Elle dispose au moins de 7 compagnies, plus quelques réserves qui défendent un petit village au nord de Jansur, la citadelle qu'ils ont assiégée. Lorsque vous serez prêts, nous pourrons repousser l'armée Seiya vers la mer intérieure, et s'ils refusent de fuir, nous les écraserons dans le désert des profondeurs. Par l'illumination à la gloire du Créateur. Que puis-je faire pour vous? Voilà une tâche facile. Toujours prêt. Il en sera fait ainsi. Par l'illumination du Créateur. À la gloire du Créateur. Toujours prêt. En voilà une tâche facile. C'est un grand pas. Puis-je faire?
Au nom du Créateur, que puis-je faire pour vous? Quel est votre souhait? En voilà une tâche facile. Que puis-je faire pour vous? Ranimons la gloire des Kohan. Au nom du Créateur. Toujours prêt. Au nom du Créateur. Au nom du Créateur. Au nom du Créateur. En voilà une tâche facile. Par l'illumination du Créateur. En voilà une tâche facile. Par l'illumination du Créateur. À la gloire du Créateur. Toujours prêt. En voilà une tâche facile. À la gloire du Créateur! Par l'illumination du Créateur! À la gloire du Créateur! Au nom du Créateur. Toujours prêt, toujours prêt. Ranimons la gloire des Kohan. Que puis-je faire pour vous? Que puis-je faire pour vous? Par l'illumination du Créateur. Par l'illumination du Créateur. Au nom du Créateur. En voilà une tâche facile. Quel est votre souhait? À la gloire du Créateur. Ranimons la gloire des Kohan. Quel est votre souhait? Il en sera fait ainsi. Quel est votre souhait? En voilà une tâche facile. Nos devoirs sont éternels. À la gloire du Créateur. Quel est votre souhait? À la gloire du Créateur. Par l'illumination du Créateur! À la gloire du Créateur! Voilà une tâche facile. Voilà une tâche facile. Quel est votre souhait? C'est un grand pas vers la victoire. Par l'illumination du Créateur! C'est un grand pas vers la victoire. C'est un grand pas vers la victoire. Je n'abandonnerai pas mon peuple. Je n'abandonnerai pas mon peuple.
C'est un grand pas vers la victoire. C'est un grand pas vers la victoire. Quel est votre souhait ? Voilà une tâche facile. Puisse le créateur nous offrir la protection. Vous pensez donc pouvoir tenir tête au Seigneur des Ombres? Comme c'est risible! Cette attaque était plus que prévisible! Vous n'imaginez quand même pas que ces forces étaient représentatives des invincibles armées du Seigneur des Ombres! Vous ne vous sentirez pas aussi confiant lorsque vous serez face à la véritable puissance des Seiya! Mes devoirs sont éternels. Par l'élimination du Créateur. Voilà une tâche facile. Mes devoirs sont éternels. Par l'illumination du Créateur. En voilà une tâche facile. Nos devoirs sont éternels. Par la gloire de Kohan. Quel est votre souhait? Par l'illumination du Créateur. En voilà une tâche facile. Que puis-je faire pour vous? Puisse le Créateur nous offrir sa protection. Par l'illumination du Créateur. En voilà une tâche facile. Par l'illumination du Créateur. Quel est votre souhait? Quel est votre souhait? Quel est votre souhait? À la gloire du Créateur. À la gloire du Créateur. Que puis-je faire pour vous? Au nom du Créateur. Quel est votre souhait? À la gloire du Créateur. Par l'illumination du Créateur. L'armée Seiya est dispersée. Ses troupes sont exterminées ou ont pris la fuite dans les dunes. Aujourd'hui est un grand jour. La victoire est sonnée. Maintenant que cette armée est neutralisée, nous pouvons nous tourner vers la menace d'Amon Koth. Il se trouve à l'est, protégé par des légions de ses perfides Raksa. Que le Créateur soit avec nous. C'est une grande victoire que celle d'aujourd'hui, Darius.
Votre armée a ratissé le désert et les armées du Maître des Ombres se sont repliées dans les parties les plus reculées du désert. Nous avons sécurisé le pont, ce qui nous permet de continuer vers l'est. C'est vraiment une excellente nouvelle, car les témoignages de vos éclaireurs ne sont guère réjouissants. Un grand nombre de tribus Harun sont assiégées par les Raksa et ont grand besoin de notre aide. Certains d'entre nous doivent rester en arrière pour assurer la protection de cette zone et empêcher les Seiya de revenir ici. En ce qui me concerne, je continuerai mon périple avec vous. Monseigneur, j'ai des nouvelles inquiétantes. Votre conseiller a disparu pendant la panique de la Grande Bataille. J'ai envoyé une compagnie à sa recherche, mais s'il lui est arrivé quoi que ce soit, nous n'apprendrons rien de plus. Son corps sera très rapidement englouti par les tempêtes de sable. Si nous trouvons quelque chose, je vous préviendrai.